Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je voudrais vous présenter dans cette vidéo une réflexion qui s'est développée suite à des événements récents. Je suis en train de traverser une situation un peu exceptionnelle, un peu accidentelle, pas forcément agréable au départ, mais en fait comme toute expérience qui m'a permis de comprendre en fait plein de trucs. Plein de trucs qui me semblent importants, donc que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo. Donc je vais vous expliquer déjà cette situation et donc ce qu'elle a généré comme réflexion. Alors, en fait, je me suis retrouvé dans une situation là en venant bosser dans ce camping où pour différentes raisons je me suis retrouvé confronté à différentes difficultés vis-à-vis de mon régime alimentaire. Déjà, difficulté d'approvisionnement. J'ai eu énormément de mal à trouver de fruits frais, par exemple, et bien mûrs, par exemple. Des questions financières où, comme ne roulant pas sur l'or, je ne pouvais pas payer beaucoup plus cher pour avoir des bons fruits. Puis, il se trouvait que dans l'arrangement dans lequel je bosse, j'avais des repas gratuits qui sont pas forcément hygiénistes à la base. Donc en fait, je me suis retrouvé obligé de remanger des matières grasses, des féculents. Je suis redevenu grosso modo, l'alimentation végétarienne. Il y a même des produits laitiers. J'ai même rebouffé du gluten, etc. Donc forcément, j'ai eu un gros retour des symptômes de cette alimentation lourde. Donc retour de la lourdeur, de la fatigue, de la reprise de poids, je me suis même remis à ronfler, et puis ce qui m'a le plus embêté aussi, c'est que du coup j'avais même du mal à réfléchir, ce qui est particulièrement embêtant pour travailler sur les vidéos. Alors, il y a deux choses qui m'ont sauvé, du coup, et que qui font partie de cette expérience et qui m'ont permis de comprendre les choses. Déjà, j'avais plus d'activité physique vu mon activité de frottage de piscine. J'ai pu expérimenter et confirmer du coup l'importance de muscler ce que les naturistes appelaient la ceinture abdominale. Parce que c'est extrêmement important, ça participe au travail de toute la digestion. Donc déjà, malgré cette alimentation lourde, déjà j'arrivais mieux à digérer. Donc ça, c'était un plus, mais surtout là où s'est situé le gros déclic, c'est que j'avais l'avantage de bénéficier de manière illimitée au sauna, ce qui fait que j'en profite tous les matins. Et du coup, je me suis rendu compte d'une chose assez extraordinaire que j'avais pas jusque-là pas expérimenté, ou en tout cas dont je m'étais pas rendu compte, c'est que la sueur, le fait de suer, ça nettoie de manière extrêmement efficace le corps. C'est pas parfait, mais c'est suffisamment remarquable. Les effets sont suffisamment remarquables. Ça m'a vraiment sauvé la mise. Et donc du coup, pendant que je faisais ces saunas, j'en ai profité pour réfléchir. Enfin, ça m'a marqué. Du coup, en fait, il y a toute une série de tilts qui se sont faits, de compréhensions qui sont enchaînées et que je vais vous présenter maintenant. Alors les premières réflexions déjà sont donc c'est les effets intéressants de la sueur, mais c'est surtout la nature de la transpiration, parce que autant il y a deux écoles pour le sauna, c'est soit le sauna sec. En général, quand on regarde sur internet, on dit c'est la chaleur sèche, et sinon sauna humide. Alors autant moi dans un sauna sec, j'arrive pas à transpirer. Ça me brûle, je suis mal à l'aise, j'étouffe et j'arrive pas à transpirer. Et autant quand j'humidifie bien, c'est-à-dire j'arrose tout le temps les pierres, dès qu'elles sont sèches, je les réarrose. Et au contraire, j'ai pas besoin d'être en hauteur pour vraiment avoir chaud, je peux rester à une température supportable. Une fois que c'est bien humide, la transpiration, la sueur arrive toute seule sans problème. Alors, déjà, c'est cette première remarque, c'est la première réflexion suite à cette observation, pour moi, ça a été, mais est-ce que le corps finalement est vraiment fait pour transpirer à sec?
Et comme dans la vidéo sur le frugivore marin, en reprenant les théories aquatiques, ben on remet en question déjà la théorie de la savane, qui on serait le seul animal à dans un milieu sec, enfin difficile de s'approvisionner en fruits, enfin déjà, et puis en eau surtout, on serait le seul animal qui, pour contrer la chaleur, se met à perdre toute son eau. C'est juste pas logique. Et donc en fait, bah déjà ça remet en question la fonction thermorégulatrice qu'on impute à la transpiration. En tout cas, ça remet en question cette fonction comme étant une fonction principale. Auparavant, quand je me suis renseigné sur le sauna, il y a souvent un petit explicatif qui nous dit il faut y aller d'abord 5 minutes. On transpire pas à ce moment-là, et puis ensuite il faut aller prendre une douche froide pour ouvrir les pores de la peau, et ensuite on va pouvoir transpirer en y retournant. Et du coup, ces réflexions sur la bizarrerie de perdre son eau comme ça, et moi l'incapacité à transpirer à sec, je me suis fait cette réflexion, c'est que dans un milieu où on n'est pas sûr d'avoir accès à l'eau, aux minéraux, tout ce qu'on perd par la sueur, le corps ne peut pas tellement se permettre de perdre toute cette eau, toutes ces sels minéraux, et qu'en fait il ne peut se permettre finalement, il ne s'autorise à perdre tout ça que s'il a l'assurance de pouvoir être réalimenté ensuite. Et cette assurance, c'est une réflexion qui se fait de manière intuitive, instinctive même, c'est-à-dire par le contact direct de l'eau. Et en fait, cette idée selon laquelle on utilise, après avoir eu chaud, on utilise la douche froide pour ouvrir les pores de la peau, comme si c'était quelque chose de mécanique, j'ai plutôt cette réflexion, c'est le corps a souffert, refuse de lâcher son eau, puisqu'il ne sent pas qu'il y a de l'eau à proximité pour se recharger. Et donc, c'est que quand il y a la douche, là, il fait « Ah, il y a de l'eau. Ah, dans ce cas-là, ok, je peux ouvrir. » Là, il s'autorise et il va pouvoir transpirer ensuite. Et en fait, cette idée sur laquelle notre corps n'accepte de relâcher cette eau par la transpiration, qu'une fois qu'on est dans l'eau, je la mets aussi en relation avec, ça va être un peu rigolo, quand cette envie de pisser, qui se déclenche quand on est dans l'eau, quand on est dans le bain, dans une piscine, c'est à ce moment-là, ah merde, putain, envie de pisser. Je crois que ça fait partie du même mécanisme, c'est le corps garde son liquide quand il est en situation, enfin a plutôt tendance à garder son liquide, il ne le lâche pas facilement quand il est en situation sèche, mais dès qu'il est dans l'eau, à ce moment-là, c'est bon, je peux tout relâcher. Forcément, moi je retombe sur les théories aquatiques. Qui va avoir une autre vision, en tout cas inverser les priorités des fonctions de la transpiration par rapport à la théorie de la savane. Et selon les théories aquatiques, la transpiration a pour première fonction justement cette fonction dépurative qui est efficace et qui sert à éliminer très facilement les toxines. Et puis ça revient tout simplement à cette conception naturiste, même nudiste, de la peau comme étant un troisième rein, un émonctoire. Et là, du coup, en fait, c'est un rôle très très important qu'a la peau dans cette fonction-là. La fonction thermorégulatrice, elle va être en fait très secondaire, et moi je vais même l'appeler en fait une situation de crise. Fonction de crise, elle ne va se déclencher quand on fait du sport par exemple que vraiment en cas de surchauffe, parce que il y a danger à cause de la surchauffe du corps. Enfin, le corps va sentir qu'il y a un danger. Donc cette fonction de thermorégulation va être exceptionnelle, va pouvoir exister, va pouvoir être utilisée par le corps, mais de manière exceptionnelle. Et d'ailleurs, en général, quand on transpire, on a méga soif derrière, il faut forcément se rapprovisionner. D'ailleurs, la sueur n'est pas. Enfin, on ne sue pas seulement quand on a chaud. Il existe les sueurs froides qui sont des réactions en fait à des systèmes de. À la peur par exemple, à l'angoisse, à des situations extrêmement tendues. Enfin, d'ailleurs, quand on dit j'ai des sueurs froides, ça correspond à cet état d'angoisse-là. Il y a une explication aussi par les théories aquatiques.
C'est que bah, tout, déjà ce stress, gros stress à la vue d'un prédateur par exemple, on va générer énormément de toxines d'un coup, donc il va falloir les libérer pour pas endommager le corps, enfin pour le décongestionner, enfin le dépurer, on va dire. Et puis ça va pouvoir éventuellement avoir une fonction d'empoisonnement de l'eau autour de nous, en tout cas, ou alors de camouflage olfactif pour brouiller les pistes. Et là aussi, je mets ça en parallèle avec un autre de nos réflexes, pas très glorieux, mais qui du coup peut trouver sa fonction dans cette théorie aquatique. Quand on a peur aussi, non seulement de ne pas avoir des sueurs froides, mais l'expression vous est dit, on se chie dessus. Et bah là aussi, ça peut faire partie du même processus de brouillage des pistes, d'empoisonnement des carbones du prédateur. Mais donc voilà, la transpiration a en fait une fonction vraiment d'élimination des toxines en premier lieu. Et puis enfin, quand on réfléchit à la transpiration, quand est-ce qu'on transpire nous, ben, du coup on se rend compte qu'en fait on transpire dans l'eau, sauf qu'on ne se rend pas compte qu'on transpire dans l'eau. Dans un bain chaud par exemple, on s'en rend pas compte puisqu'on est dans l'eau, donc on voit pas les choses perler. Pourtant effectivement les pores s'ouvrent. Justement parce que le corps est bien, il y a un échange qui est possible. Mais ça marche avec l'eau, ça marche avec la vapeur, et ça marche pas à sec. Et quand on réfléchit, quand les zones où on transpire, en général, sont des zones renfermées, donc des zones qui conservent l'humidité. Alors que ce soit par exemple dans les plis, sous les aisselles par exemple, expliquant également la fonction des poils axillaires pour ne diffuser qu'un petit peu d'eau, pour que ce soit bien diffusé et qui maintient aussi cette vapeur, ou alors même sous les vêtements, ou quand par exemple on marche avec un sac à dos, bah c'est sous le sac à dos, là où ça va être le plus renfermé, qu'on va être complètement trempé. Donc voilà déjà, grosso modo, quelques réflexions autour de la nature de la transpiration qui dénote un peu de ce qu'on a l'habitude de penser. Alors, donc forcément, suite à ce retour d'expérience et puis du coup cette réflexion sur la nature de la transpiration, et ben on va pouvoir se rendre compte et en conclure assez vite, assez facilement, que ben, cette sudation, cette transpiration va pouvoir occuper une place très importante dans une dynamique hygiéniste, localiste surtout, puisque en fait dans nos pays tempérés où il y a de l'hiver, où donc il n'y a pas de fruits l'hiver, on est obligé de compenser cette absence de sucre, de vitamines, etc. par d'autres choses, et notamment les matières grasses et les féculents, ce qui du coup nous alourdit, ce que j'ai vécu là, et c'est là du coup que va pouvoir nous sauver en grande partie la sudation, puisqu'elle va pouvoir opérer un nettoyage régulier du corps. Alors, il se trouve que c'est pas seulement un conseil hygiéniste, mais qu'en fait, quasi ou en toutes les cultures des pays tempérés, mais même d'autres peuples qui vivent dans des situations pourtant plus chaudes, etc. Et bah, toutes ces cultures, quasiment, en tout cas j'ai pas de contre-exemple, vont avoir, peut-être sans forcément le savoir, mais sans comprendre forcément les mécanismes, mais vont avoir des processus mettant en branle ce système de sudation. On va avoir, donc soit ça va être par des bains d'eau chaude, soit des bains de vapeur. Alors bah, on a, je vais en citer quelques-uns, les bagnas russes, donc dans la culture russe, ces bains de vapeur qui ressemblent au sauna mais qui sont entre le hammam et le sauna en fait. Le onsen japonais, ils ont aussi des bains de vapeur. L'inipi, Lakota, la loge à sudation cérémonielle. Où en fait ils vont traduire par la purification spirituelle, en fait une purification physique, ce qui montre aussi bien que le spirituel et le physique sont, enfin il n'y a pas de spirituel sans physique qui fonctionne. On va avoir du coup bah, le hammam, le bain turc, etc. Chez nous, alors que ça a été oublié, on avait les étuves au Moyen-Âge. Alors c'était soit des baquets d'eau chaude, soit pour les plus pauvres, simplement une pièce avec une pierre chaude dans l'eau pour faire de la vapeur. Ces étuves, elles sont héritées des thermes de la Rome antique.
Mais certainement aussi que les Gaulois avant la période gallo-romaine avaient aussi leur propre système. Et en fait, ben, c'est dans toutes ces cultures, cette installation, ce moment qu'on prend pour suer, qu'on s'en rende compte ou pas, est toujours considéré comme étant bénéfique, étant de la purification, mais la purification physique. Et en fait, il y a même des cultures, je crois que c'est par rapport au bagna russe, mais je pense que c'est à peu près dans toutes les cultures, on considère que, enfin, il y a cette formulation qui est intéressante, qui disent qu'en fait l'étuve est le médecin du pauvre, la médecine du pauvre. C'est-à-dire, qu'en fait, ça soigne énormément de maladies. Moi, je l'ai vu par exemple au niveau des courbatures, du fait de frotter la piscine. Quand je faisais le sauna après le frottage, enfin, entre 2 jours où je frottais, le deuxième, je commençais à avoir des courbatures, c'était douloureux. Et à partir du moment où je me suis mis à faire le sauna juste avant de frotter, eh ben, j'évacuais les courbatures. J'ai une amie qui m'a raconté qu'avec le hammam, elle soignait ses rhumes, tout simplement. Tout simplement parce que le rhume étant aussi là une fonction émonctrice, la sueur aide et donc résout ce problème. Et en fait, énormément de maladies et énormément de moments de la vie particuliers, genre les accouchements, etc., après les accouchements. Et il y avait, c'était rentré dans les cultures d'aller se purifier, d'aller se nettoyer dans l'étuve. Du coup, aujourd'hui, nous, on en est dans notre conception de l'hygiène, on en est resté, on a restreint notre notion du nettoyage à un lavage externe, c'est-à-dire avec du savon, on frotte et on nettoie de l'extérieur. Mais en fait, si on reprend tout ça en perspective, on se rend compte qu'en fait, ce lavage-là, grosso modo, ne correspond qu'à 50% de l'hygiène de la peau, et qu'en fait, eh bien, il est beaucoup plus efficace de suer d'abord et rincer ensuite. D'ailleurs, il y a même moins besoin de savon. Moi, je me suis rendu compte que autant avant le sauna, je devais me laver beaucoup plus souvent avec du savon, genre une fois tous les 2 jours. Là, avec le sauna, j'ai plus besoin de savon pour la peau. Encore pour les cheveux, mais je me shampooine 1 à 2 fois par semaine, quoi. J'ai pas besoin de beaucoup plus. Et à côté de ça, j'ai une peau vachement plus douce, etc. Et donc en fait, du coup, le fait de suer et toujours avoir de quoi se rapprovisionner, hein, c'est vachement important. Ça permet d'utiliser beaucoup moins de savon, beaucoup moins ces produits, tout ce qui va être pour la peau, pour la radoucir, enfin les savons qui agressent, et donc ensuite les crèmes pour radoucir, etc., tout ça, il n'y a plus besoin. La peau se nettoie très très facilement toute seule, et du coup, enfin, il n'y a plus besoin, enfin, d'utiliser des pratiques agressives comme le savon. Cette médecine du pauvre, elle a aussi été du coup réhabilitée par les premiers naturistes, à savoir les médecins, le docteur Durville, André Durville. C'était 2 frères, il y en avait un qui était médecin, l'autre qui était plutôt organisateur, etc. Et dans leur, il a écrit un bouquin en plusieurs tomes qui s'appelle La cure naturiste et la sudation, donc les cures thermales en fait, qui mettent en branle ce système transpiratoire de manière douce. Fait entièrement partie de la cure naturiste, de ce processus de nettoyage naturel. Alors, suite à ces réflexions, j'avais quelques remarques. On a encore toujours tendance à considérer la transpiration comme étant sale. Alors effectivement, elle est là pour détoxiner, donc et expulser des impuretés. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les saunas, dans les hammams, ok, des fois ils mettent souvent des huiles essentielles dans l'eau, etc. Mais même quand on n'en met pas, il n'y a pas de mauvaises odeurs. En fait, les gens transpirent abondamment, mais je sens vraiment pas de mauvaises odeurs. Les mauvaises odeurs vont être effectivement si le sauna n'est pas aéré suffisamment, ou là on va renfermer l'humidité, mais ça va avoir une odeur de renfermé, d'humidité, pas de transpiration, de ce que ça émane et ce qu'on a l'habitude de sentir de la transpiration. C'est juste qu'en fait, cette transpiration, quand elle est globale, en fait, les toxines sont tellement diluées qu'en fait il n'y a pas de concentration, et c'est au contraire quand on transpire peu dans des zones très localisées que là va y avoir concentration de toutes ces toxines,
Et en plus, comme ça va être des zones fermées par les vêtements, eh ben, il va y avoir macération. Et c'est cette macération qui va développer toutes les bactéries et qui vont générer toutes ces mauvaises odeurs. Macération qui va se faire dans les vêtements, le maillot de bain par exemple, ce qui va, comme pour reprendre ce que je disais dans la dernière vidéo, ce qui va effectivement contaminer l'eau des piscines, etc. Ce qui rend les habits du coup beaucoup moins hygiéniques que la nudité. Après, faut savoir doser tout ça. Donc ces toxines sont diluées et puis donc la sueur est en fait très très propre. Et ensuite, ben le bien-être ressenti après un sauna ou un hammam, on aura bien transpiré, mais en fait, il est tout simplement signe d'un bon fonctionnement physiologique. C'est une satisfaction physiologique, et donc ce bien-être est signe de santé et signe que un processus sanitaire, c'est bien fait, qu'on a été dépuré. Donc c'est pas juste du bien-être idéal, on va dire. Ça correspond vraiment à un véritable nettoyage qui nous a fait vraiment du bien. Et en plus, un nettoyage qui s'est fait en douceur, si on est dans l'optique du hammam où on n'a pas, pas le sauna sec qui génère beaucoup de la souffrance, ou l'activité physique intense qui met le corps en surchauffe. Là, on est vraiment dans un processus doux et donc parfaitement physiologique et parfaitement sain. Alors en conclusion, toujours dans cette suite de l'hygiénisme localiste, je voulais revenir sur ces étuves qu'on connaissait au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge était très propre, contrairement à ce qu'on en dit. Alors pourquoi cette pratique, qui était pourtant très saine, très agréable en plus, a disparu? Alors ce serait à cause de deux choses. Toutes deux étant reliées dans leurs racines. Déjà, la première chose qui nous a privé de ces étuves étaient collectives. C'était d'ailleurs beaucoup plus pratique, beaucoup plus économique d'avoir une étuve par village ou par quartier de ville. Les bains, les vapeurs se prenaient nus. D'ailleurs, enfin, comme je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, ou l'avant-dernière, je ne sais plus, la nudité y était courante. Et il se trouve que dans les villes, petit à petit, comme les riches voulant se démarquer des pauvres font toujours les conneries que beaucoup de pauvres vont suivre ensuite, l'idée c'était vraiment au départ de se nettoyer, de se dépurer, mais un petit peu en parallèle avec le nudisme aujourd'hui qui a oublié ses fondements et ses corollaires qui permettent la santé, surtout pour les riches, les étuves sont devenues des lieux de luxure. Alors pas forcément que de sexe, mais aussi des lieux où on faisait des banquets. Et du coup, qui dit banquet dit nourriture riche, donc non physiologique. Donc en fait, déjà on avait perdu le sens de ces bains. Le plaisir qui était tiré de la santé que ça procurait, le simple bonheur physiologique, a été déconnecté de cette réflexion-là. Et donc on allait au bain pour le plaisir, et donc on accumulait les plaisirs du coup non physiologiques. Donc déjà ça a perdu son sens, et à mon avis c'est du coup alimentation aussi beaucoup plus lourde, etc. Plus toxique, plus toxifiante, et comme je me suis rendu compte qu'en fait le besoin d'éjaculatoire par exemple était aussi pouvait servir d'émonctoire à toutes ces toxines, d'où l'excitation qui est générée par cette alimentation lourde. Forcément ça a entraîné donc dans les classes aisées beaucoup de déboires, ce qui n'a pas plu du coup au puritanisme religieux de l'époque, mais enfin au puritanisme tout court, ce qui a fait qu'ils ont fait en sorte d'abord de démixiser ces lieux, ce qui ne plaisait pas aux gens parce que ça coupait du coup les hommes des femmes, et alors que ça se passait sans débordement aucun, vraiment dans la simplicité la plupart du temps, à cause des déboires de ceux qui ne comprenaient plus la démarche. Il y a d'abord eu mixisation, ce qui a fait que beaucoup de gens se sont révoltés contre ça, contre cette simple séparation des sectes, soit par des bains différents, soit par des jours différents. Et donc ça, déjà, ça enlève énormément du plaisir, du bien-être que ça apporte, puisque justement, cette nudité dont on était privé, par exemple, du sexe de l'autre, ces bains permettaient au moins un moment de désobsessionnaliser cette curiosité naturelle. Et puis il y a autre chose aussi, c'est l'ancêtre de pseudo-hygiénisme pastorien,
Il y a toujours eu dans l'histoire de nos civilisations deux pensées. Une pensée naturiste, on va dire, même si elle n'a pas eu forcément ce nom, depuis Hippocrate par exemple, peut-être même bien avant, qui cherche toujours à comprendre la nature et la satisfaire, et qui considère que le bien-être, la santé ne vient que de la nature, et une autre médecine qui du coup a du mal à comprendre les fonctionnements de la nature et considère que la nature est mauvaise. Et il se trouve, j'ai lu ça dans un article que j'ai trouvé, qu'on trouve facilement sur internet quand on cherche étuve Moyen-Âge, qui explique qu'en fait, petit à petit, se sont développées dans les villes, notamment donc des activités artisanales, genre les tanneurs, teinturiers, les bouchers, etc., qui vidaient tous leurs produits en fait dans les rivières où on allait puiser l'eau. Ce qui fait qu'effectivement, l'eau était beaucoup moins saine et du coup pouvait générer des maladies. Mais du coup, ces apothicaires de l'époque, qui étaient d'ailleurs bien moqués par Molière, et qui sont un peu dont on a des descendants aujourd'hui qui dominent la pensée médicale, considéraient que les étuves, la vapeur en soi était mauvaise parce qu'elle transportait les miasmes de la nature, etc. La nature étant considérée comme pathogène, etc. Ces deux pensées, puritanisme et cette médecine, naturoceptique, j'ai appelé comme ça, sont toutes deux descendantes de cette pensée racine qu'est le dualisme, qui considère que finalement la nature, la matière en soi est suspecte, si elle n'est pas tout simplement mauvaise et pathogène. Et donc du coup, c'est cette pensée dualiste finalement dans différentes formes, le puritanisme et sa version médicale, qui ont fait qu'on a perdu cet élément d'hygiène extrêmement important. Donc il est important du coup de penser à réhabiliter ces étuves, il serait bien pour notre santé collective à tous de les réouvrir, de les réinstaller, parce que déjà c'est plus agréable, plus pratique, plus économique et plus écologique que le sauna et la douche réunis. On a l'habitude de la douche, mais la douche qui est censée remplacer le bain pour faire des économies d'eau, mais sauf que la douche, on a tendance justement pour se réveiller, comme l'eau chaude nous fait du bien, on a tendance à y rester plus longtemps. Donc finalement, on se prive d'un plaisir, du plaisir du bain. Alors que finalement, les bains de vapeur sont beaucoup plus économiques en eau et en énergie. En plus d'être agréable, on peut y rester le temps qu'on veut, le temps qu'on en a besoin. Et puis c'est aussi plus pratique, les étuves, donc plus là dans le sens hammam, où on peut se laver dedans, c'est-à-dire il y a le seau d'eau avec la pierre, ou la chose qui va générer la vapeur, mais il va aussi y avoir les baquets d'eau pour pouvoir se rincer. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'utiliser de l'eau chaude, quand il fait chaud dans l'étuve, c'est agréable de se rincer à l'eau froide. Donc économie d'énergie, c'est beaucoup plus pratique de se laver dedans. Et en fait, donc ça remplace avantageusement l'étuve, le sauna, la douche et le bain d'eau chaude. Et alors du coup, comme je disais aussi, ces étuves faisaient partie du thermalisme qui était prôné par la cure naturiste. Sauf que le thermalisme, on a tendance à ne le considérer que comme cure. Donc quelque chose d'exceptionnel qu'on va faire ponctuellement, périodiquement, une ou deux fois par an. Alors que là, il s'agit bien de repenser la chose de manière à ce qu'elle redevienne quotidienne ou quasi quotidienne. Dans l'absolu, pour avoir une hygiène plus efficace, qui agisse plus en profondeur et qui nous évite ce pseudo-hygiénisme d'utiliser des produits très agressifs, enfin qui fait tourner le commerce. Il faudrait dans l'absolu pouvoir remplacer nos salles de bain et les sanitaires collectifs, par exemple des centres naturistes, par des étuves. D'ailleurs, j'insiste aussi sur ce côté collectif parce que l'étuve a toujours eu, de manière beaucoup plus bénéfique que le bar, par exemple, que le bistrot, une fonction sociale. Et là, il serait intéressant, justement, si on est dans une optique de réhabiliter la nudité saine. C'est le simple et saine qui est sanitaire et quotidienne, enfin courante, pas forcément permanente, mais réhabiliter cette nudité parce qu'on en a besoin. Là, du coup, réhabiliter ces thermes, en tout cas ces étuves, ces bains publics, me semble une bonne chose parce que ça allie du coup le côté agréable, social, utilitaire, sanitaire, etc. Donc, la conclusion de cette vidéo, ce serait vraiment bien de trouver des moyens de repenser nos modes de vie, nos architectures, etc.
nos organisations sociales et d'y inclure ces études qu'on avait encore au Moyen-Âge, dont on nous a privé, et qui sont pourtant, qui seraient un élément extrêmement important de notre hygiène collective quotidienne.